Wij doen vandaag een actie van directe actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij sluiten de basis van Kleine Brogel vandaag en er gaan ook groepjes activisten de basis op. De bedoeling is om de basis te verstoren, want op dit moment vertrekken er F-16's, denken wij, naar Buchel, waar ze gaan oefenen op het gooien van kernbommen. Het gooien van kernbommen is in strijd met het internationaal recht en het voorbereiden daarvan is dus het voorbereiden van een misdaad en wij voorkomen hier dus het voorbereiden van een misdaad. You will be arrested anyway, yeah? 5 minutes or 10 minutes? But we will do it friendly. Parce que bien sûr, ni les militaires ni la police veulent toucher ces personnes qui sont pleines de peinture, ce qui est aussi le but de l'utilisation de cette peinture. Pour nous salir, c'est pour ça qu'on va vous donner une douche. Hein? On a décidé dans un premier temps de rester jusqu'à ce que l'exercice militaire de largage des bombes soit annulé. Mais on a remarqué qu'il y a probablement donc un camion avec jet d'eau derrière nous. On a décidé de rester tant que c'est supportable. Trois équipes ont réussi à rentrer dans la base. Une équipe, on a juste une équipe qui a réussi à occuper la piste de décollage, donc pour empêcher les F-16 belges de décoller pour l'Allemagne. Et on sait qu'il y a une équipe qui s'est fait interpeller par les militaires à l'intérieur. Donc c'est toutes les nouvelles qu'on a pour l'instant. Neuf militants de l'association Action pour la Paix ont été interpellés ce matin lors de l'action de protestation qui était organisée autour de la base militaire de Kleine Brogel. Selon la police, ils ont été appréhendés parce qu'ils ont tenté de pénétrer sur la base. Les militants souhaitaient empêcher le décollage de F-16 qui doivent participer à partir d'aujourd'hui à un exercice OTAN en Allemagne. Les militaires doivent s'y entraîner au déploiement d'armes nucléaires. Les activistes ont donc tenté de s'introduire sur la base, tandis que d'autres se sont enchaînés à la porte d'entrée du domaine. Neuf militants ont été interpellés et mis à la disposition du parc. Dernière nouvelle, 16 personnes ont été arrêtées sur la base de Kleine Brogel. On ne sait pas exactement où, mais on sait qu'au moins une équipe a occupé la piste de décollage des F-16 qui devait partir en Allemagne. Et bon, il est 9h20 et on n'a pas toujours entendu, on n'a toujours pas entendu un avion qui est parti. Donc c'est sûr, a priori on retarde effectivement le départ des F-16 pour l'entraînement à l'utilisation des armes nucléaires en Allemagne. I would like to begin.